Et coucou les amis, allez, on se retrouve encore, on est sur le VTT. Alors vous voyez, je lâche plus, hein. On essaye de suivre le mouvement, en plus ça me manque. Enfin là aujourd'hui ça me manquait pas trop parce que j'ai des courbatures de folie là. Je vous avais dit déjà la semaine dernière, on s'est mis à faire un petit peu du futsal avec les copains du travail. C'est pas terrible pour moi, mais ça fait du bien au moral, et c'est ce que j'ai besoin. Et là j'ai des courbatures de partout, en plus de mon mal de dos, là je suis fracassé, mais bon avec le VAE ça devrait bien se passer. En tout cas ça s'est bien passé la semaine dernière. Du coup on se retrouve au départ de l'accro aujourd'hui, on va aller faire ce que j'appelle le grand tour. Je vais rejoindre Dédé qui est avec moi, qui a le même vélo. Et on va partir sur la Navarre, Pierrefeu, hier, et revenir par l'accro. Si du moins on a le temps, parce qu'il faut qu'il rentre pas trop tard. Allez, ça part de là. On est dans le premier petit sentier. Celui-là me ramène juste derrière la maison. Et après on va partir vers la Navarre. Il est sympa celui-là. Reposant, tranquille. Ah, la petite montée technique là, elle se fait plus facilement que la dernière fois. Ah, Dédé il s'envoie au crash, trop de puissance. T'as touché le doigt. Ah, je crois que ça descend un peu. J'ai pas l'habitude de rouler à un rythme VAE là. Dédé il a un petit peu envoyé. Je suis essoufflé comme je ne peux plus. Ah. Belle petite première descente. Hein. Ça descend douille encore. Là ça nous descend sur l'ancienne route pour aller à Solliès-Pont et c'est par là qu'on va aller récupérer la Navarre. Allez, il y a Dédé devant, on a récupéré un petit morceau de route là. Et on va aller basculer côté Navarre. Ah, allez, on a retrouvé la montée dite des pylônes. Bon, il n'y a plus de pylônes, ils ont tout enterré, mais on va garder ce nom là. Qui va nous ramener sur le chemin de Navarre, sur les hauteurs. Oh, ça monte. Plus facile. Quand musculier. Je revis les copains, je revis. Allez, on est dans les montées de la Navarre. Et encore, on n'a pas encore au gros pétard. En braque aujourd'hui. Je vais plus marcher le tour plus aujourd'hui. Allez, ça monte au train en tour plus là, en rythme VAE. Ça va, je suis un peu moins essoufflé qu'au départ. Bon, je me suis mis en rouge, je suis carbo. Là, ça va un peu mieux. Oh, ça monte aux arbres en tour plus, c'est impressionnant. Ah, je vais aller rechercher mon Dédé, je l'ai perdu. Allez, place à la descente, celle qui nous redescend sur la Navarre. Aïe, aïe, aïe. On l'a déjà fait ça là. On l'a déjà fait ensemble. J'ai jamais fait tomber à eux. J'ai revu encore un peu mes réglages de fourche là. Je pense que ça sera pas mal. 80 PSI et je suis descendu à cyclique.
Là ça s'enroule Dédé. Tu vois, ça t'a beaucoup moins dans les bras. Ah si, il y avait des marches encore. Je suis trop pédé, excuse-moi, si tu regardes la vidéo. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Parce qu'il est un peu fatigué, bébé. Il m'a dit, il faut pas trop que ça tape. Je crois que je me suis raté. Je me dis, ah, ça fait, tu me diras, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Vraiment désolé mon bébé. Là par contre ça a l'air pas mal. Peut-être un avant encore un petit peu glissant là, qui perd un truc. Peut-être pour fermer un petit peu, rouvrir d'un cran. La compression basse vitesse. Enfin le rebond pardon. Ouais, mon pauvre bébé, je me suis vraiment esbaillé sur celle-là. Je me suis vraiment esbaillé sur celle-là. Ah, monteur, il a touché. J'ai perdu en route. Oh, j'ai mal au cul-cuisse. J'ai mal au cul-cuisse. Là non. Ouh. Allez bah, tranquillement, on a fini celle-là. Maintenant on va repartir vers Pierrefeu et aller rejoindre les Borel. Mon petit Dédé, t'es bien? Je t'ai dit pas trop de marche pour le dos, je crois que je me suis un peu esbaillé. J'en voyais pas autant, je suis vraiment vraiment désolé. Là c'est pas grave, c'est bien. On s'est bien amusé. Allez, on est dans les petits singles de la Navarre. On va aller rejoindre là. Normalement, si je ne me suis pas trompé, la série autant. Et on va basculer côté Pierrefeu, Borel. C'est pas joli, les amis, là aussi. Ça, c'est une belle petite sortie d'entraînement en musculaire. Il n'y a pas trop de dénivelé. Et du c'est du long. Et il y a de belles descentes pour se faire plaisir. Allez, là on a récupéré la route Vallée de Sorbonne en direction de Pierrefeu. On va aller récupérer la DFCI qui va nous remonter au sommet, nous faire basculer de l'autre côté pour aller rejoindre les Borel. On va se taper deux belles montées avec une sans descente au milieu. Allez, c'est parti pour une longue ascension avec mon copain Dédé qui est devant là. J'ai mal au cul ça. Et pourtant j'ai augmenté, mais là il y a des résidus du foot sale là. Le vendredi soir. Allez, on s'accroche et on envoie. Allez les petits Moonrakers, ils sont tout beaux, ils sont tout là. C'est les mêmes. Et c'est les mêmes pilotes, regarde, tout le même ventre. C'est plus beau, ouais. Voilà. Je trouvais que j'avais chaud, je fais que boire, mais je crois que j'ai trouvé pourquoi. 32 degrés à 10h du matin. C'est correct. Allez, ça monte tranquillou, là on arrive au sommet de la deuxième montée. Maintenant on passe à la descente. Et mon Dédé il est là-bas derrière. Aujourd'hui c'est lui qui me remplace, il monte en écho. Moi j'ai pas les cuisses avec le foot sale, là je suis cuit. Je l'entoure plus et puis ça fait du bien. Et même là j'ai mal aux cuisses. Putain, un plaisir n'empêche. C'est ça. Tu vois, pareil, je le redis. En muscu je l'aurais pas fait. Je suis avec les courbatures que j'avais ce matin. C'est mort. Et là c'est un plaisir en montée, c'est un plaisir en descente et c'est un plaisir avec Dédé. Il est là mon Dédé. Ouais.
Bon, ils traînent un peu là. Ils fonctionnent ces freins? Non, je les ai enlevés. Allez, place à la descente maintenant. Allez, encore une petite descente, hein. Comme vous pouvez le voir, bon, celle-là vous la connaissez, on la fait régulièrement. Mais comme vous pouvez voir, celui-là de tour, il emprunte que le bon. De belles descentes. Et des montées tranquilles. Plein de branches, oh, faut chier là, faut chier là pour rien. C'est là Dédé que je te disais, ça part, putain, mais là je prends pas assez d'élan en fait, ça fait, j'arrive plus, à chaque fois je passais et là je passe plus, ça fait trois fois que je la passe plus celle-là. Et là faut passer au milieu là. Ah, là non plus. Bon, chaotique. Allez Seb, trop nul. La première partie, on valide pas. On va valider les autres. Je sais pas pourquoi je me fais des freins dans ma tête. Des fois. Faudrait venir un peu la débroussailler quoi. Parce qu'elle pique hein. Elle pique un peu. Elle est encore bien poussée. Quand je dis qu'il faudrait venir la débroussailler, je déconne pas. Avec celui-là de vélo, c'est un palais. Ça fait deux coups de pédale, c'est à 10 000. Et c'est fini pour cette petite descente. Et là, maintenant on va se rebasculer côté Borel. On va arriver au Borel et puis on va aller récupérer l'accro. Un petit peu de route et une belle montée. Allez, on va encore choper le dernier petit morceau de route là, du coup, pour aller récupérer la colline là-bas. On n'a pas le choix parce qu'il y a le gapot qui traverse, donc on est mort. On va faire un petit tour et puis on va aller se choper la dernière grosse montée de la sortie. Allez, bon, on y est. Là, ça va monter raide. Enfin, ça va bien monter pendant un moment et le petit dernier coup de cul, il va faire mal aux pattes. Mais là, par contre, c'est super joli aussi ce coin. Donc là, on est côté hier. C'est derrière ça, il y a la croix en fait. On va aller rejoindre le Fenouillet. Petit point de vue. Pour changer d'habitude, ben, c'est gris, vous avez vu, c'est pas bleu. Il a presque failli pleuvoir aujourd'hui. Je dis presque. Parce que je pense pas que ça tombe. On verra bien. Single pour aller au château. C'est bon, je l'ai pas fait. Et encore moins en VAE. On va voir ce que ça donne parce que il est un peu piégeux. Bonjour. Ça passe. C'est
assez étroit avec le guidon. Ouais, c'est pas une excuse parce que le guidon il fait la même taille que sur toi. Oh, compte de Tarasse, t'as vu? Oh, je me cague dessus là. J'attends qu'il se barre, moi je continue pas. Oh, oh l'engin, je me suis cagué de la poussière, je supporte pas ça. J'en ai des frissons dans le cou là. Aïe! Oh, j'ai pris une branche en pleine tronche. Oh quoi? Oh, c'était un beau morceau. Hein. Ah, allez, on arrive au château là. On arrive au château d'hier. Gagné. Allez, on est sur un petit single là, ça va nous ramenouiller sur un côté fenouillé. Bah, c'est la colline en face, là, le fenouillé. On va rester une belle descente, on est presque à la fin de la sortie là. Bonjour, merci beaucoup. Deux, oui, pardon. Voilà. Alors, les dernières descentes, celle-là, on l'a fait il y a deux semaines en montée. Aujourd'hui on a fait en descente. Attention, ça monte à l'envers. Oh purée. Allez, c'est reparti. On va faire gaffe, on n'est pas un autre qui monte. Et ça tu vois, c'est typiquement le genre de descente que j'aime bien parce que petit peu moins caillouteux, tu peux un peu plus piloter, un peu plus lâcher. Même si je sais pas piloter, ça me fait une sensation de le savoir. Hop là, ah, faut pas se prendre la branche dans la tête. Et là tu t'arrêtes net. Hein. Attention Dédé. Merci monsieur. Ouais, bon elle est fréquentée là. Elle est fréquentée, elle est fréquentée. Faire gaffe. Ok, avec la suspension, je pense que vous avez entendu moi aller aujourd'hui. Je pense que je suis pas trop mal là. Attention Dédé. Bonjour, merci beaucoup. Ah, toujours rester courtois avec les gens. C'est la base. Si tu veux qu'ils soient courtois avec toi, faut être courtois avec eux. Bon, des fois on leur roule dessus quand même. Non mais oh merde. C'était la multitude de paix sur les PP attitude. Putain, elle est bonne celle-là. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne celle-là. Vraiment génial. Tu pouvais débrancher là, savoir qu'il n'y a personne après les virages. Avec tout le monde qu'on a vu, ça refroidit un peu de prendre beaucoup trop de temps. Après j'en ai quand même de la vitesse là. Je sais pas si j'irai beaucoup plus vite, tu me diras. Oh putain, tu me diras en commentaire si celle-là tu l'as bien aimée. Franchement. Allez, c'est fini. Ouh. Aou. 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 Allez, un petit 50 mètres, 50 km. 50 mètres, ça fait pas beaucoup. 800 mètres de dénivelé. Franchement, une super bonne sortie. En plus, je l'ai faite avec Dédé. Ça m'a encouragé. Purée de mal aux cuisses. J'étais bien courbaturé. Mais en VAE, c'est passé tranquillement. Tranquillou bilou, comme on dirait tout ça. De belles descentes. On a pédalé. Enfin, un régal. Bon, je vous dis à dimanche prochain. Vous avez vu, on lâche rien. Allez, ciao tout le monde.